Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un mode sur GTA V. Et aujourd'hui, c'est le mode Lamar Mission. Ce mode va vous ajouter un bon paquet de nouvelles missions pour le mode solo. Donc des missions du genre des vols de véhicules, des deals de drogue, des guerres de gang, enfin tout ce genre de trucs. Et pour activer donc cette mission, il faut aller. On peut la faire uniquement avec Franklin déjà de base. Et pour la faire, on peut voir donc la petite flèche là, il faut aller derrière la maison de Franklin et marcher dessus. Là, je vais marcher dessus. Je dois appuyer sur F3 ou X to start gang mission. Bah donc, allez, voilà. Donc maintenant j'ai ça. J'ai la première mission Deal Breaker. Ok, celle-là me donne 50 000, celle-là me donne 100 000. Celle-là c'est un cargo et ça va peut-être une mission. On va peut-être déjà faire celle de 20 000. Donc voilà, vous pouvez choisir, vous appuyez sur Entrée. Là, Get the drugs from the van. Ok. Il est où? Ah, le van il est tout de l'autre côté en fait. Viens avec moi. Et là, en fait, on peut voir, on a Lamar hein, qui nous suit pendant les missions. Qui nous suit, qui fait la mission avec nous. Alors, on peut voir donc sur la map enfin, avec la. Où est le van? Je me suis un peu embrouillé. Où est le van? Maintenant, on va aller là, on passe sur la petite flèche. Voilà, et lui, il va se mettre derrière. Voilà, parfait. Bon alors, nous voilà, on est enfin arrivé, j'ai changé de van entre-temps, j'ai eu un problème technique, hein, on va dire ça. Et du coup, bah il est là l'autre. C'est que je me suis fait plomber comme un gros porc. Du coup là, faut que j'aille sans les armes. C'est un peu le bordel, hein. Faut que j'aille derrière lui. Voilà, maintenant on se casse. Putain, on voit que d'aller ici. Oh merde, devant moi. Ah, il m'a sauvé la mare là. Ta gueule! C'est quand même vachement chaud comme mission. Hein. Mais une fois qu'on a compris comment où ils arrivent et tout ça, c'est bon. Allez dans le véhicule. Ce véhicule? Back to the hood. Voilà, alors on arrive dans le hood, comme ils disent. Et je dois parquer ça à côté de ma bagnole. Voilà. Là, elle est parquée. A new gang mission has been unlocked. Donc voilà, regardez, j'ai gagné mes 20 000 dollars. Et j'ai débloqué une nouvelle mission de gang. Donc on va aller voir ça. Donc on va se mettre ici. F3. Et je ne sais pas où est-ce qu'il l'a débloqué. Mais bon, hein, je sais pas s'il vient un peu après ou quelque chose. Mais bref, je vous ai montré donc le mode. Franchement, c'est
un des mods que je conseille vraiment d'installer parce que bah il ajoute vraiment un... C'est pas un nouveau gameplay, mais des missions en plus, hein, une sorte de DLC gratuit en fait. Juste ça. Et comme vous avez pu voir, elles sont encore bien faites. Il y a les petits points sur la map. Il y a l'argent vient bien sur votre compte et tout, ça bug pas. Donc franchement, moi je vous conseille de l'essayer. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Je vous invite également à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et ciao ciao!